On est prêt, même puisqu'on demande des drapeaux verts sur les postes commissaires. Un départ imminent, donc dans quelques instants, troisième grande finale avec les pilotes 500. Je vais la casquer dans l'autre sens. Allez, moteur pour les pilotes, et c'est parti. Également poste commissaire numéro 5 et numéro 6. Pour l'instant, tout se passe sans encombre, semblerait-il. Et voilà le retour donc de Pierre Bérin, le numéro 26, en première position. Deuxième place, Hervé Tessier. Deuxième position, numéro 2, Fabien Tavoué. En deuxième position, numéro 4, à la quatrième place. En deuxième position, le Montcal, très bon chrono sur le terrain de l'essai. Connaît la piste, il y a un bon coup de volant, on le retrouve donc à la quatrième position juste derrière, et bien ça reste dans la famille puisqu'on retrouve le numéro 77, c'est Benoît Moreau. Voilà, alors ça bouge un petit peu sur le rétine dans le fond, on va en tout cas pour l'instant retrouver Pierre Bérin. Pierre Bérin qui est en première position, le volant numéro 1, toujours le 54 à la deuxième place, le numéro 2 et Benoît Moreau vient de passer en l'instant, le numéro 77. Je rappelle en troisième position, toujours les numéros 2, Fabien Tamboul. Talent Gimoro, je pense qu'il passe, il vient de passer, hein, décidément Gimoro. Il perd deux places en deux tours, ici c'est le numéro 8, Samuel Varnier je crois, qui vient de l'arrière sa position, alors que les pilotes en tête sont de retour, et d'en avant, en venant de Samuel qui est à la troisième place, coupé par Fabien Tavoué, le quart du numéro 2. Samuel Varnier, la
6ème position, 6ème, 7ème, 8ème, ils arrivent, 6ème position. Va changer avec le numéro 11, Philippe Auvin, 7ème pour les noms 83, 8ème avec le numéro 24, le numéro 83. Il s'agit de Laurent Lemes, dorénavant, dans cette manche. Et abandon de deux pilotes ici, poste commissaire numéro 5. Allez, on va se retrouver dans quelques instants donc pour le tour d'arrivée du dernier tour, celui de Pierre Bérard. Il y en a de même pour le 54, je rappelle en route aussi. Toujours également la troisième place pour Pierre Dalvaux. Voilà, c'est le dernier tour maintenant. Tour d'arrivée dans quelques instants. Et Pierre Bérard qui va très très vite ici hein, sur cette descente. Il en est de même pour Hervé Tessier, le numéro 54, toujours en deuxième position. Fabien Talbot, le numéro 2. Venant de numéro 77, il est 4ème actuellement. 5ème sur le gravier, le numéro 8. 6ème, on retrouve le numéro 11, Philippe Bourvin. Et l'arrivée et la victoire du numéro 26, Pierre Bérard. Voilà qui est fait pour Pierre. Deuxième place, Hervé Tessier, le numéro 54. 3ème pour le numéro 2, Fabien Talbot. 4ème, Benoît Moreau, numéro 77. La 5ème place, voilà donc maintenant pour Samuel Varnier. Le 4, numéro 8 pour la 5ème place. 6ème, le voilà le numéro 11, Philippe Gauvin. 7ème place, Armand Daïron, le numéro 24. 8ème, avec Laurent Launay, le 83. 9ème place, Michael Papin, le numéro 53. Et 10ème pour Sébastien Dorisson, le numéro 23. Voilà donc la fin de cette manche, la grande finale.